Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet, la grande finale du championnat de 2e Ligue Intergroupe 1 entre Montais, leader du championnat et son point d'avance sur le second, Colebossi. Une rencontre qui s'annonce passionnante entre ces deux formations. Un cas de succès de Colebossi. Et bien, il demeurerait un dernier match pour les Colésiens du côté du GS pour aller, pourquoi pas, chercher la promotion. Personne ne s'y attendait en début de saison. Les Colésiens sont dans cette situation où ils ont, eux, de leur côté, cette opportunité de s'imposer et de prendre les commandes du championnat de 2e Ligue Intergroupe 1. Mais on connaît les qualités de Montais, on connaît ses ambitions également, les Montaisans qui ont comme ambition de monter en première ligue. Ils l'ont clairement affiché en début de saison. Nous, de notre côté, eh bien, on se réjouit de vous faire vivre les meilleurs moments de ce choc au sommet. La tension est vraiment au maximum là, des deux côtés. On a la difficulté à se livrer véritablement avec ce ballon mis au premier poteau par Schedler. Cette reprise qui passe par-dessus le but de Steve Saffiotti. Il va pouvoir dégager son équipe 11 minutes. Ouais, on l'a dit véritablement, on sent la pression, la tension de l'enjeu dans ce match. Les équipes qui sont plus prudentes que de véritablement se livrer, en tous les cas, c'est la constatation de ces 12 premières minutes. Remise en jeu pour les Chevaliers. Cette touche de Dacuña Salan. Il est marqué comme son nom, ouais, pas par un seul joueur. Très compliqué de s'en sortir, il y parvient tout de même. Salan qui conserve ce ballon. Le décalage de Salan, c'est bien joué là. Avec Pache, le centre de Pache, deuxième poteau. Et cette tentative de reprise de la tête de David Salan. Il ne parvient pas à mettre sa tête comme il l'a fait plusieurs fois durant la saison. Sous la pression de ses adversaires. Stéphane Rauti sur ce coup franc de la pratiquement moitié de cette première période. Ballon mis au second poteau avec finalement une faute signalée. La faute de Ben Kayser là sur ce ballon mis au second poteau. Et finalement cette reprise de Romain Deriva. Ça va permettre au portier Hosni Moutombo de se dégager. Ce que fait le capitaine. Sur Rego. Ça va revenir sur Rego. Moutombo. Pression là de la part des Montaisans. Rego encore une fois qui peut dégager, obtenir la remise en jeu. Dégager. Et Carouet donc il va faire l'effort pour venir le récupérer. Izquierdo. Longue balle en avant là sur le côté. C'est bien joué avec cette remise de la tête pour Schedler. Schedler le centre avec Salam dans les 16 mètres. Le tir contré. Un ballon qui est repoussé, le tir de Rego, c'est but! L'ouverture du score pour le FC Colebossi! Ce ballon, il me semble qu'il a été dévié par Cruz Mermi, là, qui a tenté de s'interposer à cette frappe de Rego et Colebossi qui prend l'avantage dans cette finale, qui pour le moment est leader du champ. Colebossi a quand même ouvert logiquement la marque avec ce coup franc rapidement joué là par Rauti sur le côté. Ballon sur Romain Deriva, le centre de Deriva, la reprise. Ouh, c'est pas mal du tout là, très très bien joué de la part de Ben Kayser qui frappe et son ballon qui passe de peu à côté du but. Belle première, grosse opportunité là avec cette reprise de volée. La partie est vieille de 36 minutes, hein, toujours 1-0 pour les Chevaliers. Ce résultat que vous voyez en surimpression, ballon mis au second poteau, Salan. Oh, le sauvetage sur la ligne, le sauvetage sur la ligne sur cette tête de David Salan. Ballon récupéré par les Montaisans qui parviennent à le sortir et qui obtiendront même le coup franc. Oh, elle était importante cette frappe de la tête de David Salan. Et ce sauvetage sur la ligne Montaisan également qui évite le deuxième but aux joueurs de Cédric Stram et Pascal Vizet là sur cette phase de jeu, cette action de la 36e. Dacuña, remise en jeu dans la 41e minute de cette première période. Avec la tentative de débordement de Sposito. L'honneur tir puissant qui passe par-dessus le but. Bon, mètre 50 par-dessus la cage défendue par Steve Saffiotti. Nouvelle opportunité hein, pour les Colésiens qui ont vraiment réalisé une excellente première période. Kevin Deriva. Deriva, il est contré. Ce ballon qui va revenir, il est dégagé par l'arrière-garde Montaisan. Loin en avant. Avec la récupération de Constantin, il y a eu contact avec son adversaire. Le tir, oh, c'est but! Il ouvre magnifiquement le pied et permet à son équipe d'égaliser quelques 2 minutes et 20 secondes avant la pause de cette rencontre. Y a-t-il eu contact et surtout faute sur le joueur colésien? J'en suis pas sûr. À mon avis, c'est un contact tête contre tête
Et finalement, cette réussite superbe alors de Thibaut Constantin qui se retourne, qui ouvre le pied et qui égalise pour le FC Montais. C'est un partout, il reste 2 minutes à jouer dans cette première période. Avec cette relance pour les joueurs montaisans et ce ballon mis sur Constantin. Constantin pour Kayser, en avant, il est à la lutte avec Lemeux, il commet la faute, estime l'arbitre. Très belle conclusion d'ailleurs dans l'enchaînement dans son duel face à Moutombo, mais l'arbitre avait sifflé un coup franc. Il est venu tricoter dans les pieds de son adversaire qui a trébuché. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Ouais, les Montaisans dans ces dernières minutes de cette première période qui reprennent véritablement du poil de la bête. Ferreira da Cunha, la remise en jeu. On est dans la 4e minute du temps additionnel avec cette longue remise en jeu. Récupération Lonneux, balle en retrait avec la frappe. Ah non, elle est contrée. Salane le tir. Oh, le but, hein, il sera annulé. Il sera annulé pour une position de hors-jeu de David Salane après un premier envoi contré. Cette balle qui arrive des pieds d'Esposito à ceux de Salane. Et Salane qui est sanctionné. En position de hors-jeu, on est assez mal placé par rapport à la ligne pour véritablement dire si effectivement il était en position illicite. Je vous ai dit qu'encore une fois, hein, comme d'ailleurs Kayser tout à l'heure, la conclusion était magnifique. Renard des surfaces, David Salane qui voit son but annulé pour une position illicite. Au début de cette seconde période sur cette marque de 1 partout, Yves Miéville a dû dire à ses joueurs de ne rien lâcher, de continuer de mettre de la pression sur l'adversaire, même si ça a été un coup derrière la tête hein, pris par les Chevaliers avec cette égalisation. D'ailleurs fort belle de Thibaut Constantin. Eh bien ce score de 1 partout alors qu'il y avait eu l'occasion de Salane un peu avant la tête sauvée sur la ligne. C'est ce genre de petits éléments là qui font basculer une partie dans un sens ou dans l'autre. Et ce sauvetage sur la ligne de la défense montaisane leur a permis aux Montaisans finalement de recoller, revenir à la marque dans cette rencontre à quelques instants du terme de la première période. Jérémy Fogel, la longue passe en avant de Fogel. Attention, le ballon qui est mal négocié. Récupération Kayser, il est contré. Possibilité de rentrer peut-être dans les 16 mètres. Le décalage sur le pied de Kevin de Riva. Le centre, oh, c'est détourné. C'est détourné ce ballon par Samuel Izquierdo et ça finit au fond du but. Sur ce centre tendu de Kevin de Riva et l'équipe de Montaigne qui prend le même départ qu'elle avait terminé la première mi-temps, soit après 2 minutes 30 dans cette deuxième période, la deuxième réussite en faveur des Montaisans qui virent en tête dans ce match. Il va falloir travailler très très dur côté colésien, les Chevaliers qui se doivent maintenant de réagir à cette deuxième réussite, cet autogol de Samuel Izquierdo. Kerwedon qui va faire l'effort, c'est l'homme de l'égalisation qui s'empare de ce ballon, Thibaut Constantin qui met devant Kayser, il n'y a pas de hors-jeu. Kayser qui s'avance, le tir et l'intervention de Sni Moutombo. Oh, il n'est pas content de sa défense, Moutombo, l'équipe colésienne qui a failli se faire surprendre là, mais très très belle intervention du capitaine des Chevaliers. On est rentré dans la dernière demi-heure, Rego qui peut relancer, Izquierdo, le décalage. Avec ce ballon mis en avant sur le pied de Jung, Schedler, Jung, on joue en relais, c'est bien joué. Jung qui va venir affronter la défense, on se regroupe très vite derrière, hein, côté Montaisan. Regardez le travail de sape des joueurs de la formation de Montel là, pour venir récupérer ce ballon. Impressionnant d'efficacité la défense là qui a monté son niveau défensif d'un cran, j'ai envie de dire, là, parce que c'est très compliqué là, de perforer. D'aller vers l'avant, de trouver des solutions surtout pour venir inquiéter le portier Safiotti. Cette touche pour les Valaisans, touche de la 17e minute de la seconde période. Long ballon sur De Riva. Oh, la talonnade de Kayser, c'est bien joué De Riva là qui va pouvoir s'avancer à la lutte avec Izquierdo. Izquierdo, il va le passer. De Riva, c'est très bien joué. Le tir, oh, ça but. Incroyable ce but. Est-ce que c'est bien joué de la part de Riva, véritable but d'attaquant là. Il a réussi à se jouer de Samuel Izquierdo. Il ouvre le pied également, comme l'avait fait Thibaut Constantin. Mais lui, il trouve la lucarne du but colésien. Quelle action de Kevin de Riva. Quelle action rageuse, quelle action volontaire de la part du numéro 9 qui permet à son équipe désormais de mener 3-1. Il le fait vraiment de magnifique manière. Pour les Bossy, il faut marquer 3 fois. Ça devient pratiquement mission impossible. Avec Lonneux, Pache.
continuer de travailler, c'est en tous les cas l'envie que montre l'équipe colésienne avec Salane qui a tenté de reprendre de la tête. Encore une fois l'intervention salvatrice de Anthony Cruz Mermi qui avait à mon avis quelque chose à se faire pardonner. On le sent très déterminé là sur l'ouverture de la marque colésienne avec ce ballon de la tête et ce sauvetage sur la ligne encore une fois. Invraisemblable, nouvelle possibilité. Et ce ballon, alors sauvé in extremis sur la ligne par les joueurs montés. Boutombo, avec l'arrivée tout de suite pour venir mettre de la pression sur les joueurs colésiens. Pache, il va perdre le ballon devant Yassari qui va passer, résister à la charge. Le centre, Kayser, la bonne passe de Kayser, tir et but. C'est 4-1. Magnifique finition encore une fois de Thibaut Constantin qui enfonce le clou. À 10 minutes du terme de la partie, deuxième but, coup de maître là pour Thibaut Constantin avec cette deuxième réussite, ce doublé. Le FC Monté qui s'envole vers le titre et la promotion en Première Ligue classique en offrant quand même un sacré récital hein, sur cette deuxième mi-temps, démontrant ses qualités, qu'il n'est pas là à la première place par hasard. Équipe efficace, solide. Et qui peut compter sur Thibaut Constantin, donc après de Riva pour venir marquer cette quatrième réussite. Montezan à 3 minutes du bonheur. Et Pache à la remise en jeu. Loneux, le centre de Loneux. Second poteau, la tête de Schedler, ça va passer par-dessus. L'état d'esprit colésien dans ce match, avec une équipe qui s'est battue vraiment du début à la fin et jusqu'à maintenant pour terminer ce championnat à domicile en beauté avant un dernier match du côté du GS. Et puis le fair play qui a animé cette partie également, ça il faut le relever, hein. Fair play malgré l'enjeu. Dernière occasion pour les Colésiens dans ce match avec ce ballon mis sur Pache. On joue la 47e minute. Kerouédan qui a vu derrière lui Rego. Rego qui vient récupérer le ballon, c'est bien fait. Loneux en avant. Kerouédan avec le décalage maintenant pour Pache. Pache qui va revenir dans l'axe du terrain. Kerouédan, le décalage, c'est bien joué avec le tir finalement de Samuel Carasso qui passe par-dessus le but défendu par Steve Safiotti. Ce dégagement pour le portier. 49e minute, l'arbitre qui a regardé son chronomètre et l'arbitre qui met un terme à la partie. La joie qui anime les Montezans qui sont promus en Première Ligue classique. Bravo à eux hein, pour le match qu'ils ont réalisé du côté de Colèbes aussi. Là, il y aura sans doute des regrets hein, au vu des images, notamment en première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps est montézane et l'équipe valaisanne qui s'impose 4-1 dans ce match. Tout le désarroi des Colésiens, bien évidemment, après cette partie. Mais ils n'ont pas à rougir, même si leur maillot est rouge. Les joueurs du président Mehdi Derouazi qui ont fait une saison exceptionnelle. Personne sans doute ne les attendait à pareille fête avant ce match décisif. En tous les cas, de venir jouer les premiers rôles pour la promotion, ils l'ont fait. Les joueurs d'Yves Mieville qui a su fédérer ce groupe, l'amener jusqu'ici. Bravo à Monté hein, pour sa victoire. On leur souhaite vraiment bon vent en Première Ligue classique. Avant de nous quitter, bien évidemment, on va avoir quelques réactions sur ce succès de Monté face à Colèbes aussi sur la marque de 4-1. Bah, derrière, ça fait grand plaisir que je me trouve ici. Malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la fin du rêve. Mais voilà, ça joue à très très peu de détails. Deux équipes qui voulaient en gagner, deux équipes qui ont montré de l'envie. Et malheureusement, c'est ça, c'est des fois, ce sont des matchs qui sont plus disputés que joués. Et puis, c'est Monté qui repart d'ici déjà avec assez d'avance pour conserver le championnat. Oui, on vous a vu très combatif, le match était très serré en première mi-temps. En deuxième mi-temps, malheureusement, vous avez pris ces trois buts qui vous ont condamné. Exactement, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience aussi de leur côté. Je pense que c'était des moments où on prend l'égalisation juste avant la mi-temps, on doit courir derrière le résultat. On n'a peut-être pas eu la bonne approche, mais je pense que quand il nous a fallu peut-être une petite pointe de chance, on l'a pas eu. Et au final, c'est quelque chose qui se provoque aussi, peut-être qu'ils l'ont provoqué plus que nous, et au final, voilà, ils mettent but coup sur coup, et puis c'est vrai que ça achevait tous nos espoirs. Et le bilan, malgré tout, de la saison est magnifique, vous avez fait une saison exceptionnelle. Et c'est de très bon augure pour la saison prochaine. Exactement. C'est vrai qu'on était à très très peu de la perfection. Malheureusement, voilà, je pense que ça reste une saison exceptionnelle, un très très beau travail. Toute une équipe, un groupe, un club qui a fait tellement pour nous, qui nous ont donné les conditions pour qu'on puisse le faire. Une,
ambiance magnifique. Et puis c'est vrai que quoi qu'il arrive, je pense qu'on repart d'ici tête levée et y a l'année prochaine. Alors je suis avec Brian Roux, le capitaine de Monterre. Aujourd'hui c'est un match décisif et vous avez fait la différence en deuxième mi-temps notamment. Voilà, on savait ce qu'on devait faire, on savait qu'ils allaient venir fort, surtout en première mi-temps. Donc on a su faire le dos rond, on a mal commencé, on a pris ce but. Mais comme souvent cette saison on a été mené, mais on sait qu'avec la mentalité qu'on a, on a toujours la force de revenir, donc on n'a pas paniqué. On a mis sur un très important avant la mi-temps, c'était vraiment très important. Et on s'est parlé au vestiaire à la mi-temps, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, et on est revenu en deuxième mi-temps, on a su faire la différence. Oui, vous avez laissé aucune chance à Collet de croire en une éventuelle montée. Et c'est vous qui allez monter en Première Ligue l'année prochaine, ça va être une immense satisfaction. Oui, bah oui, ça fait plusieurs années qu'on est proche, on est deuxième, troisième. Chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, on l'a fait et on va vraiment pouvoir la savourer parce que c'est vraiment un groupe qui s'est construit durant ces 4-5 ans. Et on est arrivé vraiment à maturité cette année. Et puis c'est vraiment là qu'on va savourer. Et l'année prochaine, vous allez être en compétition avec des équipes un peu plus forte physiquement, techniquement, tactiquement. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? On sait déjà à quoi s'attendre. Il y a plusieurs joueurs de l'équipe qui ont joué à cette ligue-là, voire à la ligue supérieure. On a fait des matchs amicaux contre ces équipes. On sait que ça va être dur. On ne va pas arriver là et commencer à tourner tout le monde. Mais on sera prêt. On va faire ce qu'il faut pour la préparation. Après avoir fait la fête, bien sûr. Mais on sait très bien que ce groupe est une qualité. Et puis avec cette équipe, vraiment cette mentalité, on est déjà un bon pas en avant. J'imagine que vous réussissez de rentrer sur Monterre pour fêter ça. Alors ouais, déjà là, je pense que ça va être pas mal dans le vestiaire. Après, il y a cette 1h30 de bus. Où je pense que le chauffeur, on a plein les oreilles, plein la tête. Il va être content d'arriver. Et après, la fête va se poursuivre à Monterre. Ça va vraiment être une belle soirée avec les supporters et toute l'équipe. Alors fêtez bien, merci. Merci.